Son appartement a été soufflé par l'explosion. Les murs, les meubles, toute une vie s'est envolée. Une épreuve douloureuse. Talal, comme beaucoup d'habitants de Beyrouth, apprend désormais à vivre avec ce traumatisme, épaulé par ce psychothérapeute. Depuis ce jour, je suis déprimé. J'ai 52 ans, j'ai vécu toutes les guerres du Liban depuis les années 70, depuis l'invasion israélienne et les guerres du Liban. Mais je n'ai jamais vu une telle explosion et je n'ai jamais été affecté de cette façon. Au pied de l'immeuble, Médecins du Monde a installé une clinique mobile. Il propose à tous les habitants un suivi psychologique. Lorsqu'ils libèrent le stress et la colère qu'ils ressentent, c'est comme un verre plein que nous vidons petit à petit. Et lorsqu'ils auront vidé ce verre, ils comprendront ce qu'il se passe émotionnellement autour d'eux et le traumatisme qu'ils sont en train de vivre. Parler, libérer les émotions pour surmonter les traumatismes, beaucoup d'habitants de Beyrouth mettront du temps avant de panser leurs blessures.